Assalamu alaikum, chers élèves. On va voir aujourd'hui l'exercice numéro 2, le raisonnement par contraposé. Alors n'oubliez pas, on a dit que P implique Q est équivalent à Q bar implique P bar. Dans cet exercice, on a X appartient à R et X différent de moins 5. Montrons que X est différent de moins 8 implique X plus 2 sur X plus 5 est différent de 2. Là, c'est la proposition P et ça, P bar. Alors, P, X différent de 8. P bar, X est égal à 8. On a Q, X plus 2 sur X plus 5 est différent de 2. Q bar, c'est x plus 2 sur x plus 5 est égal à 2. Au lieu de montrer que P implique Q, on va montrer que Q var implique P var. Alors on a, pour tout x qui appartient à R, x qui est différent de moins 5, x appartient à R et x qui est différent de moins 5, x plus 2 sur x plus 5 est égal à 2, implique, vous voyez ici l'égalité de deux nombres, on va faire le premier en croix. Donc x plus 2 fois 1 est égal à 2 facteurs de x plus 5. 2 facteurs de x plus 5 est égal à x plus 2 fois 1, c'est x plus 2. Produit en croix. Ça implique 2x plus 2 fois 5, c'est 10. 2 fois x plus x plus 2 fois 5, c'est 10, est égal à x plus 2. Ça implique 2x moins x est égal à 2 moins 10. Ça implique 2x moins x est égal à x, et 2 moins 10, c'est moins 8. Donc, si on a x plus 2 sur x plus 5 égale à 2, on trouve x est égal à moins 8. Par contre, rapposé donc, pour tout x appartenant à R, et x différent de moins 5, on a x différent de moins 8 implique x plus 2 sur x plus 5 est différent de 2. Par contre, rapport. Et voilà pour cet exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.